Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo sur la présentation de mon mini-album. Donc je suis trop contente puisque je ne pensais pas refaire de mini-album d'ici l'année prochaine. Donc du coup, c'est un mini-album sur le thème de l'automne, donc en pleine nature. Donc j'aurai juste à faire mes photos pour pouvoir les développer et pouvoir les mettre dans mon mini. Donc pour les papiers, ce sont des papiers que j'avais eu dans un magazine, alors je sais plus si c'est Passion Scrapbooking ou Carte Scrapbooking. Du coup il y avait ces papiers là sur le thème de l'automne et puis ces embellissements à découper. J'ai juste rajouté du ruban de chaque action, donc avec des pommes de pin et des stickers en mousse pareil de chaque action et les feuilles en bois également. J'ai mis sur mon coin du ruban en dentelle et puis j'ai fait au niveau de la couverture. Donc avant et arrière, j'ai rajouté du basil beige pour renforcer la couverture. Et du coup, j'ai mis le ruban en dentelle pour cacher un petit peu le raccord. Le titre, je l'ai mis en 3D. Et puis à l'arrière, pour cacher le début du ruban, j'ai mis un embellissement en mousse et puis mon tamponnage. Donc voilà, c'est parti pour vous montrer l'intérieur. Alors pour la structure, j'ai juste plié mes papiers. Donc ce sont des papiers format A4. Je les ai juste pliés en deux. Et je les ai collés en fait à la suite pour faire un mini-album. Là, j'ai rajouté du papier, pareil pour renforcer la couverture. Du coup, j'ai mis un ruban, donc un ruban adhésif, pareil de chez Action. Les embellissements, ce sont des découpes. Et donc, du coup, j'ai laissé la place pour mettre mes photos. J'ai mis une feuille. Là, j'ai rajouté un brad que j'ai coupé pour coller directement. Ici, pareil, je n'ai pas collé le dessus, pouvoir coller ma photo sans être gênée par le bord. Et ici aussi, j'ai pas collé le bout de mes embellissements. La présentation de mon mini album, vous voyez, c'est vraiment très rapide, mais voilà, pour mettre quelques photos sur nos promenades en forêt ou autre, je trouve ça suffisant. On peut mettre 2, 4,
6, 8. On peut mettre 12 photos. Donc c'est largement suffisant. Voilà pour la présentation de mon mini-album sur le thème de l'automne. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et également de vous répondre. Je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !